Camion a foncé droit dans notre barrage. On n'a rien pu faire du tout. Il a tout fait voler en morceaux. Merci, officier. Un cauchemar monté sur roue a foncé droit sur... Putain de merde! D'où ça venait? Thank you.
19 juin 1964, Clutch Nixon, le plus grand cascadeur d'Amérique, organisa un week-end d'enterrement de vie de garçon pour son meilleur ami, George Rye, qui dura 3 semaines. Pendant les festivités, George fit le pari que Clutch ne pourrait pas piloter un avion dans un ravin voisin, tout en atteignant dans le mille tous les obstacles sur sa route. Ce à quoi Nixon répondit « Tiens ma bière ». Même si Clutch était si saoul que jusqu'à sa mort, il ne retrouva pas le plein contrôle de sa vessie, il parvint à relever le défi avant que sa bière ne se réchauffe. À ce jour encore, l'exploit du ravin de la mort n'a jamais été reproduit par aucun homme. Ce sera la fin. Ce sera la fin. Incroyable! C'est gagné!
1960. Clutch Nixon, à l'époque cascadeur peu connu de Holland Valley, subit une combustion spontanée en effectuant une cascade intitulée « Le baptême du feu ». Lancé à des vitesses jamais atteintes par un humain, le corps de Clutch a sûrement pris feu à cause d'un taux d'alcoolémie de 10 grammes par litre. Bien qu'il ait fusionné avec sa machine dans une véritable fournaise, Clutch parvint à survivre en orientant son véhicule vers un ruisseau voisin. Les témoins de la scène étaient sûrs qu'il avait péri. Mais Clutch Nixon surgit de l'eau, tel un phénix, renaissant de ses cendres. Une légende était née. À ce jour, cet exploit n'a jamais été réitéré.
Bon plan! Tu feras un bien joli cadavre! La poire!